matin, boum, je rentre. Et je suis ici en contrôle. Je suis ici, je sors, boum. Et la deuxième fois, je sors ici, là. Vous allez faire un petit exercice. La personne, elle va travailler tout doucement, elle va envoyer tout le pied tout doucement. Mais vous allez faire l'exercice suivant. Vous allez faire un ici, où c'est l'avant-bras qui sort. Ici. Et vous allez faire ce que certains font ici. Avec le bout des doigts. Ici, encore. Ici, avec le bout des doigts. Si vous pensez que vos doigts vont arrêter le tibia, vous êtes mal engagé pour la série de force. Hein. Là, je vous dis, mais ça, vous allez vous casser les doigts d'entrée, même à l'entraînement. Hein. C'est l'avant-bras qui protège. Quand je suis ici, hop, vous pouvez partir même déjà à la jambe ici si vous voulez. Et je chasser là, je suis là. Voilà, vous avez vu ce bras, on passe ici. Parce qu'il n'y a plus de danger là. Je suis tout doucement, je suis ici. Là, le danger, tout le danger, il est ici. Donc ma jambe, ma main, pardon, passe là. Donc, faites-le tranquillement, avec l'avant-bras, et juste pour voir. Et là, c'est déjà pas mal même impact. Hein. Donc vous allez chercher, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, et je sors. Et j'ai toujours ce petit truc que je vous ai dit de l'autre côté, hein. Quand la main elle est là, ou qu'il n'y a plus de danger par là, elle passe par là. Mais c'est pareil de l'autre côté, je suis ici, hop, je sors. Ma main glisse ici. Donc ça, c'est le premier truc, c'est de sortir. Et de ne pas commencer à le faire. Hop, hop, vas-y, mais donc, je suis ici, je sors, boum. Derrière, j'ai vu un peu de tout. Hein. Vous voyez bien que là, j'ai pas touché les zones réellement qu'il fallait toucher, j'ai envie de dire, pour le Krav Maga. Donc, on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir, je le fais tout doucement, sortir en se protégeant, et derrière, déplacement pour pouvoir se mettre dans la bonne position et éventuellement pour pouvoir l'amener au sol. Ça, c'est une option, hein. Il y en a d'autres. Mais si vous voulez faire certaines choses, vous êtes obligé de vous déplacer, vous êtes obligé de continuer. Si vous restez sur place, si vous êtes ici, là, ce ne serait pas efficace. Là, il faudra. Si vous restez sur place, je suis ici. Là, je vais monter le genou et c'est réglé. En même temps, qu'on soit bien sorti et que. Mais. Il faut toujours qu'on ait deux, trois options. Donc, il y en a une. On va être ici, boum, on repasse dans le dos, et à nouveau, déplacement. Je fais l'effort d'aller chercher. Je veux voir aussi comment vous déplacez. J'arrête pas de vous dire, quand je suis ici, c'est pas la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, elle est quand je suis en sécurité. Eh bien, je serai en sécurité quand je reste tout ça, je suis ici, et qu'éventuellement, je suis dans la voiture, ou que j'ai évacué vraiment la zone de danger. Et ça, ça passe par du déplacement. Donc dans le vide, je suis ici, la diagonale est encore plus simple, hein, parce que je suis dans ma position de garde, j'ai juste à décaler ma jambe ici. Je décale ma jambe ici, et derrière, je continue mon mouvement pour aller chercher. Là, je vais vous voir pivoter, je ne cherche pas quelque chose où on rentre spécialement en pied-point. Allez, c'est parti, go.